Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Maxence, j'écoute. Oui, monsieur. Écoute, on en a déjà parlé. Ce qu'on va faire, c'est que je raccroche et je ne vous rappelle pas. Voilà. Et vous en avez besoin d'autres, monsieur. Voilà, n'hésitez pas. Au revoir. Oh, les loups. Bon. Eh ben, ça c'est fait. Hey, salut, Nicolas. Je te fais une petite vidéo, non pas pour te raconter une blague, sinon je te dirais... Est-ce que tu connais la différence entre Rocco Siffredi et un boucher? Pas pour ça. Une petite vidéo pour te dire que je suis au courant que tu t'en vas là, que tu dors pas chez toi ce soir. Tu dors à Saint-Omer, c'est ça? Oui, bah alors là, c'est là où toi t'es pas au courant. Parce qu'en fait, oui, en effet, ce soir tu dors pas chez toi. Mais demain non plus. Et après-demain non plus. Mais apparemment, c'est pas Saint-Omer non plus. Ce sera Barcelone. Donc voilà, mon petit Vénard, je pense que c'est une belle surprise que te fait Marie. Et ça confirme un petit peu ce que tu as fait il y a 10 ans, à savoir te marier avec elle. Donc c'est une très bonne chose que tu as fait là. Voilà, une belle surprise encore une fois. Mais par contre, comme je sais que tu es toujours en retard, à mon avis, il serait peut-être temps de te dépêcher parce que là c'est un avion. Donc là, l'avion ne va pas t'attendre. Voilà, écoute, je vous souhaite... un excellent long week-end à Barcelone, profitez-en bien. Allez, tchuss! Ah ouais, donc toi, comme t'es là, t'es encore sur le truc de... Ouais, Rocco Siffredi m'a pas dit... impayable, il est. Non, alors en fait, différence entre Rocco Siffredi et un boucher, il y en a pas. Parce qu'en fait, tous les deux, ils disent la même chose. Ils disent, bon, il y a un peu plus, mais je vous le mets quand même.